Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit une Amérique solidaire, une Amérique où chaque citoyen peut devenir le héros de sa propre vie et de sa responsabilité. C'est le cas, toujours. Mais tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, l'incidence d'un film tel que celui, c'est que justement, on voit là se créer une chaîne humaine de personnes qui s'interrompent dans ce qu'ils faisaient pour réagir à un problème. Donc ils réagissent très vite. Et on a d'ailleurs tourné le film avec les premiers répondants, les bateaux sur le fleuve Hudson, ceux qui ont conduit les bateaux de secours, enfin tout, ces gens qui ont réagi immédiatement, qui ont même sont allés au-delà de leur devoir. J'ai même parlé à quelqu'un qui était le plus loin, tout au bout de l'aile de l'avion, il m'a dit que entre le mérissage jusqu'au moment où il est monté sur l'aile du bateau, jusqu'au moment où il est allé sur le bateau de secours, il ne s'était passé que 7 minutes. 7 minutes entre l'amérissage et la sécurité à bord d'un canot de sauvetage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de gens qui ont vu la situation, qui ont réagi tout de suite et qui ont décidé, voilà, il y a un problème à régler. Et ça, c'est l'Amérique en deux mois. Alors, je sais qu'on en fait des grosses histoires, on parle de l'élection, le nouveau président Trump. Bon, ok, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent tout le temps. Ça a toujours été le cas, le pays a toujours été divisé depuis 1780. Pour autant, il y a quelque chose qui ressort toujours, au-delà des processus politiques. Il y a un moment où on s'arrête, on fait confiance un petit peu à la suite des événements pour jusqu'à la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment l'Amérique dans ce qu'elle a de mieux. Ce n'est pas toujours évident, je vous le reconnais, il y a des hauts et des bas, ce n'est pas toujours parfait. Mais par exemple, enfin, à travers l'histoire, on a des contre-exemples. Il y a des fois où tout va bien, des fois où tout va mal. Peut-être, la solidarité quelquefois n'est pas au rendez-vous. Pour autant, d'une manière générale, l'Amérique se mobilise quand il le faut. Et Sully, justement, parce que justement, on a fait le film un an avant l'élection. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ce que je dirais quand même, c'est que c'est un petit peu une métaphore, c'est un peu une fable qui est la métaphore, l'allégorie de notre nation. Quand il y a un problème, tout le monde participe, tout le monde se mobilise et tout le monde survit. Et ça peut exister, ça a existé.